Bonsoir, bonsoir, me revoilà, me revoilà. Donc aujourd'hui on est le jeudi, on est le 10 mars. Donc maintenant qu'il n'y a plus de stress, on va faire des petites courses. Donc j'ai fait un petit dépannage informatique qui m'a rapporté un tout petit peu de sous. Puis quand Hélène elle a des sous, elle va chez Action. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai acheté. Alors j'ai été dans celui de Ditré. À Ditré, j'ai trouvé quelques petites choses, mais vraiment pas grand chose. Je vais vous faire voir. Et du coup, après Ditré, je suis allée à celui de Saint-Lambert-des-Levées. Parce que je cherchais vraiment les petits blocs là en 10-15. Là, hop, je mets le sac là. Donc à Ditré, j'ai repris un petit sachet avec le petit lapinou et les œufs. Pour l'instant, je les laisse nature comme ça. Je sais pas si je les customiserai, je sais pas si j'ai peur de me louper, donc j'aime bien les mettre comme ça. Pour l'instant, je les mets comme ça. Bon. Faudrait que j'ose customiser. C'est vrai que j'ai très peur de me louper et que bah voilà d'être déçu. Donc ça, pouf pouf, c'est combien? Le lapin avec les œufs en bois, c'est 76 centimes. Et comme je disais à la caissière, c'est marrant parce qu'à Pâques, pourquoi ils mettent des lapins avec des œufs? Parce que chez moi, en campagne, j'ai jamais vu un lapin pondre un œuf. Donc, si vous savez la signification du lapin à Pâques, j'aimerais bien le savoir. Donc ensuite, je pense que c'est des nouveautés. J'ai trouvé ceci. Je vous fais voir comme ça. Il y a des reflets un peu. Donc il y a des petites perles. Il y a des petites fleurs. Il y a des petites choses métalliques. Voilà, c'est différentes. C'est Hobiflora. Ça vient de la marque Hobiflora. Voilà, je vous refais voir celle-ci. J'ai pris celle-ci et puis j'ai pris celle-ci qui est un peu plus dans les tons pastels. Il y avait une autre boîte couleur plutôt dans les tons bleus. Mais non, j'ai dit déjà deux, c'est déjà pas mal. J'ai pris parce qu'il y a aussi donc des petits charmes en forme de cœur dans celle-là. Dans celle-ci. Donc, il y en avait pas mal à Ditré. Par contre, à Saint-Lambert, j'en ai pas vu. Les perles, c'est 0,99€. Hobby perles avec breloques, diverses couleurs, 99 centimes, voilà. Et j'ai vu aussi qu'ils ont remis des fleurs en 3D. Alors j'ai pas trouvé de papillons, j'ai vu sur certaines vidéos qu'il y avait des papillons. Moi j'ai pas trouvé, j'ai trouvé que les fleurs. Donc ça c'était combien les fleurs? Combien sont les fleurs? Autocollant, fleurs papillons. 74 centimes la planche. Donc j'ai trouvé ces fleurs-ci. Celle-ci, alors j'aime bien la pensée. Alors j'ai pris qu'une planche parce que bon, comme je suis surtout acheteuse compulsive, je vois, ça me fait plaisir, j'achète. Après, faut que je m'en serve. J'ai une boîte en plastique qui est remplie de fleurs. Donc il va falloir que je descende ma boîte en plastique. Et que je m'en serve. Et puis là, j'ai pris celle-ci parce que j'aimais bien. Il y en a deux ou trois là qui ont leur tige. Trouvez ça rigolo avec la tige. Alors pourquoi pas mettre sur des cartes. Là, en ce moment, je suis en train de faire des kiss. Donc, par rapport aux kiss, j'ai vu donc un commentaire sous ma vidéo qui me demande ce que c'est qu'un kiss. Donc je referai une vidéo en expliquant ce que c'est qu'un kiss. Mais je ne vais pas le dire là maintenant, tout de suite maintenant. Non, on est sur un haut l'action. Voilà. Donc là, les petites fleurs, c'était donc 74 centimes. Et j'ai pris des petites décorations à suspendre.
J'ai pris les petits lapins qui tient son œuf là. Je trouvais ça trop rigolo. Puis au moins, j'ai pas besoin de les customiser, ils sont déjà peints. Après, je vais pas forcément les suspendre, mais je vais voir ce que je vais en faire. Et donc ça, cette petite boîte là, elle était à... Il y a 8 sujets, c'est 1,77€ cette petite boîte là. Donc ça, c'était à Ditry. Et puis j'ai pris un paquet de bonbons. Très bien. Il est pas fini de manger, il est dans ma voiture. Je me suis dit, je vais le laisser dans ma voiture, comme ça, la voiture est dans le garage, je serai moins tentée. Donc, à Saint-Lambert de Levé, parce que comme j'étais là-bas, j'ai autant filé à Saint-Lambert. Donc, j'ai pris un petit peu plus de choses. Alors, j'ai pris des choses que j'avais déjà achetées, mais vu que j'en trouve pas dans les autres actions, j'ai dit là, je les prends, parce que comme ça, au moins, j'en aurai d'avance. C'est ces feuilles-là en boîte comme ça. Donc ça, j'en trouve qu'à Saint-Lambert d'Élevé. J'en trouve pas à Ditré, j'en trouve pas à Chemillé-en-Anjou non plus. Ou alors c'est que j'en regarde mal. Donc j'ai pris ça parce qu'il y a le rose. Là, c'est les tons pastel. J'ai pris un paquet comme ceci. Et j'ai pris deux paquets de blanc. Comme ça. J'ai dit le blanc, ça part toujours plus vite. J'ai pris deux paquets, donc comme j'en avais acheté déjà un, ça me fait trois paquets. Parce que dedans, il n'y a que 18 feuilles. 18 feuilles, c'est des 250 grammes et c'est du A5. Donc A5, c'est la moitié d'une A4, quoi. Ça fait 21 par 10,5 sans doute. Bon. Et puis, j'ai repris aussi dans les foncés, comme ça. Donc je sais que c'est pas une nouveauté pour certaines d'entre vous ou certains, parce que voilà, je sais que ça circule depuis un petit moment sur les halls, mais moi il y a vraiment très peu de temps que je les trouve, et c'est vraiment qu'à Saint-Lambert d'Élevé, l'autre côté de Saumur. Donc j'ai pris deux paquets comme ça. Et alors ces paquets de feuilles là, carton hobby là métallique, c'est 89 centimes le paquet. Donc comme ça, ça va me faire des feuilles d'avance, parce que j'ai le jour où il n'y en aura plus quoi. C'est ça le risque. Et alors j'ai trouvé ce que je cherchais. Je suis en train de les sortir, je sors quand même un petit peu tout. Je vais garder ça pour la fin. Ce que je cherchais, je le garde pour la fin. Bah ouais. J'ai pris un sachet de mélange de boutons. Parce que comme j'ai la petite robe que j'ai fait au crochet qui est terminée, en laine couleur parme, j'ai dit, oh bah tiens, dans ces boutons-là, je vais sûrement trouver mon bonheur pour lui mettre des petits boutons. Parce que j'ai pensé à mettre des pressions. Et puis je me suis dit, quand je vais vouloir détacher les pressions... Si ça vraiment c'est trop attaché, je vais tirer dessus, je vais abîmer la robe. Tandis que les petits boutons, ça sera plus pratique. Surtout que j'ai pas besoin de faire de boutonnière, je vais passer entre deux brides et puis ça va le faire. Alors il y a toutes les tailles, il y a des petits, des moyens, des gros, différentes tailles. Il y a du rose, du violet. Bon après il y a des bleus, blancs, des transparents même. Donc j'ai dit, tiens, ça va toujours être utile. Alors j'ai certainement des boutons quelque part. C'est possible. Mais je sais pas où. Donc ceux-là, faut pas que je les perde. Hein. Je vais mettre ça avec les affaires de mes filles, de Lily Rose et de Sarah. Mes petites qui dorment à fond de dos là. Bon, Sarah, elle a les jambes à l'air. Qu'est-ce qu'a fait les jambes à l'air là-bas? Je vais aller la remettre sous sa couverture quand même. Ça fait trop rire les dames, le lundi après-midi je vais faire des activités de crochet ou autre avec un petit groupe qu'on est là, c'est à 3-4 km de chez moi, et donc j'ai emmené mes reborn Lily Rose et puis Sarah, donc ça les fait rigoler.
Elle dit, bah, Hélène, à ton âge, tu te remets à jouer à la poupée. Bah ouais. Bon, alors, allez, je passe à mon hall, hein, parce qu'on est quand même sur le hall. Hein, faut arrêter de se disperser. Je voulais des fleurs comme ça, blanches. J'en trouvais pas l'autre jour à Chemillé. Là, j'en ai vu, donc j'ai pris une boîte de blanches. Parce que c'était la couleur qui me manquait. Pour faire un cœur en toile, là, comme, un peu comme Zabou avait fait il y a quelques temps. Donc, les roses déco, il y en a 9 pièces, c'est 99 centimes. Hein. Et le meilleur pour la fin. Ah ben non, c'est pas le meilleur pour la fin. Avant le meilleur, j'ai pris deux contenants comme ça. Hop. J'ai pris transparent, comme ça je verrai tout de suite ce que j'ai mis dedans. Et je voudrais voir si je peux... déjà, si je peux les désenclencher, ça serait bien. Hop. Donc c'est ces fameuses boîtes-là, hein, vous connaissez, vous avez certainement déjà vu. J'ai pris que les deux transparentes. Et donc ça, c'était 2,99€. Je voudrais mettre mon papier A4, parce que j'ai du papier A4 dedans et des ramettes de 500 feuilles. Et je voudrais les mettre comme ça, ça sera plus facile pour moi de les déplacer. Je vais essayer de m'arranger de ça. Donc je pense que je vais pouvoir les mettre dans mon meuble comme ça. Et je pourrais sortir mon papier plus facilement que d'essayer. Parce qu'elles sont empilées, toutes les feuilles sont empilées par paquet de 500 les unes sur les autres. Si je veux une rouge qui est tout en bas de la pile, faut que j'enlève tout ce qu'il y a dessus. Enfin bon, c'est le bazar. De toute façon, moi, c'est un grand bazar chez moi. Et j'y allais surtout parce que je voulais absolument ces petits blocs de feuilles. Donc je suis trop contente de les avoir trouvés à Saint-Lambert-d'Élevé. À Ditré, ils n'y sont pas, j'ai regardé, j'ai pas trouvé à Ditré. Donc j'ai pris deux fois le lavender. Alors il y a 20 designs différents et il y a 5 feuilles à chaque fois. Et par contre, c'est des feuilles qui sont fines, elles font 100 grammes. Donc forcément les couleurs lavande, donc violet, parme. Alors je vais essayer de passer les 5 feuilles, voilà. Alors là, c'est avec une petite branche de fleurs, voilà. Ensuite là, alors je me suis dit pour faire pour coller en fond sur une carte, parce que j'ai des idées et il faut pas faire que d'avoir des idées, il faut les mettre en pratique. Des rayures comme ça. Parce qu'avec le club donc de l'âge d'or, on va avoir notre repas de Pâques. Ça, c'est joli. Ça ferait un beau fond pour le menu, par exemple. Alors, je sais pas. Bon, il faudrait mieux que je le mette comme ça. Comme ça, ça va peut-être pas coller pour, parce que le menu, il sera plutôt debout. Quoique, on peut peut-être faire un menu dans l'autre sens. Hein. Qui sait? Faut essayer. Donc, au dos de la carte, il y aurait le menu. Et puis, bah, ça pourrait faire un petit papier décoratif devant et coller des petits stickers de Pâques qui me restent de l'année dernière ou de l'année d'avant. Parce que là, de toute façon, je les trouve pas. Les planches de stickers de Pâques, je les trouve pas. Heureusement que j'ai de l'avance. J'ai celle de l'année dernière et puis de 2020 qui me restent. Donc voilà. Donc c'est vraiment, j'adore ces couleurs-là. Bah, c'est mes couleurs. Hein. Ça, c'est joli aussi. Ça, je peux le prendre, je pense, dans les deux sens. Après, ça peut être un fond uni comme ça. Et puis après, faire coller des découpes. Après, il est un peu plus foncé, celui-là. Donc je pense qu'il y a possibilité de faire des cartes de menu. Parce que là, forcément, si je mets dans ce sens-là, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Si je mets dans ce sens-là, le menu au dos, ça fait un peu bizarre quand même. Celle-ci, ça peut aller dans tous les sens, je pense. Dans tous
tous les sens. Ça, c'est trop beau, ça. Regardez. Même pour une kiss, hein. Mettre en fond de carte pour une kiss, et puis on met quelques petites découpes. Un petit papillon par-ci, un petit truc en plus. Et puis on cache le mot kiss. K-I-S. Ha-ha. Hop. Là, de l'uni comme ça. Et ça, c'est joli, ça, aussi. J'adore les fleurs comme ça. Moi, vraiment, tout ce qui est violet, j'adore, j'adore. Là, c'est des petites fleurs violettes sur un fond vert. Là, c'est pareil, c'est trop beau, ça. Donc, j'en ai pris deux comme ça parce que je me suis dit, avec les fleurs et tout, ça serait peut-être pas mal pour faire quelque chose plus pour les femmes. Et puis pour les hommes, peut-être prendre un autre design. Donc j'ai pris deux comme ça. J'en ai pris un comme ça, pastel basique. Donc c'est le même principe, hein. Il y a 20 designs, c'est 5 feuilles par design et c'est toujours du 100 grammes. Donc il y a ça. Alors c'est des... On dirait soit des petites croix ou des petites étoiles qu'il y a sur le fond. Ça, ça pas mal pour Pâques. C'est la couleur de Pâques, ça, comme ça, jaune. Il y en a 5. Ça, c'est une couleur de Pâques aussi. J'aurais peut-être dû en prendre 2 de celui-là. J'aurais peut-être, je le retrouverai peut-être un autre, un peu plus tard dans un autre action. Parce que s'ils l'ont à Saint-Lambert d'élevé, il va sûrement arriver... sur Chemillé, bon bah c'est vrai que j'ai pas été à Chemillé cette semaine, hein. La semaine dernière il n'y en avait pas, peut-être qu'ils sont arrivés cette semaine à Chemillé, hein, c'est possible, hein. Chemillé en Anjou. Parce que maintenant que je sais que mon permis va être va m'être envoyé tout ça, donc maintenant je peux souffler tranquille. Je n'ai plus ce tracas-là en tête. Et c'est bien quand on n'a plus de tracas dans la tête. Il y en a qui ont des poux dans la tête. Moi, j'avais des tracas. Bon, j'en ai d'autres, hein, des tracas, il y en a d'autres. Ça serait trop beau qu'il n'y en ait pas. Mais bon, on gère. Les choses qui se gèrent plus facilement que d'autres. Eh oui! Là, on retrouve du violet. Là, ça fait un peu nappe. Hop! Ça pourrait pas être... Enfin, je sais pas si le violet pour Pâques. Après, bon, voilà, c'est... on fait le repas quelques jours avant Pâques. Avril, ben, on sera dans le printemps aussi, donc on peut mettre des choses printanières. Le vert, je pense que le vert et jaune, ça fait Pâques. On peut mettre un petit fond comme ça. Parce que le menu, je vais l'imprimer sur des feuilles blanches en 160 grammes, je pense. Parce qu'au-dessus de 100, la machine là-bas, parce que je vais les faire à la salle paroissiale. Je crois que le maximum qu'on peut mettre, c'est du 200 grammes, je crois. 200 voire 250, mais elle a du mal avec le 250. Des fois, elle me fait des bourrages papier, elle aime pas ça. Pourtant, je passe par le bypass. Oui, oui, les imprimantes, les grosses imprimantes, elles ont un bypass. Parce que je sais que le bypass, ça a une autre signification pour certaines personnes, mais sachez que les imprimantes ont un bypass aussi. Donc, et je termine avec celui-ci qui est le vintage. Parce que ça aussi, j'adore ces fleurs-là. Donc, il y a un fond comme ça, uni comme ça. Un peu gris, on va dire.
un peu grisonnant. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est beau. C'est vrai que des fois, il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. Si on est pressé par le temps ou autre, on met un petit fond comme ça sur une carte. Un sentiment, voilà. Même si j'ai beaucoup de mal avec les sentiments, je sais jamais quoi mettre sur mes cartes. Quand c'est un anniversaire, c'est facile, c'est joyeux anniversaire. Noël, c'est joyeux Noël. Quand c'est quelqu'un qui gagne, c'est félicitations. Mais après, quand c'est juste pour envoyer, bon, bah, ça peut être amitié, je pense. J'ai un peu de mal. Des fois, je préfère rien mettre que me tromper. Que de mettre un sentiment qui aurait pas forcément le bon sens ou voilà. Peut-être que je me pose trop de questions. Hein. Je vous fais voir les feuilles pendant ce temps-là. Hein. Je discute et je fais voir. Hop! Il y a longtemps que j'avais pas fait. Hop! Donc je filme. Il est 21h37. Alors là, je fais mon film. J'enregistre. Et vous l'aurez que vendredi, demain. Demain, on sera vendredi. Vendredi, demain. Parce que là, je filme et après, je vais faire dodo. Parce que je suis levée depuis 6h30 ce matin. Et oui, il y avait l'infirmière qui passait. Et comme des fois, elle passe à 7h. Là, elle est passée, il était 8h. Mais bon, je sais jamais l'heure qu'elle passe. Donc, il vaut mieux que je sois levée avant qu'elle arrive. Ils sont beaux, hein. C'est des beaux papiers. Très joli papier. Puis c'est un format qui change par rapport, ils ont fait du 10-10. Ils ont fait aussi des petits carnets en 15-15. Là, 10-15, c'est marrant. Ça fait la taille d'une carte. Après, bien sûr, comme ça fait 100 grammes, faut prévoir, faut le coller sur une autre base un petit peu plus grande, voilà. Ou voilà, la 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 la, des rayures. Je suis toute rayée. Hop, des petites fleurs. J'arrive à la fin, vous inquiétez pas. Là. Là, 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 là. Et là, on est sur du rose comme ça, hein, genre vieux rose. J'ai une douleur dans le dos qui se déclenche quand je lève le bras. Mais qu'est-ce donc? C'est parce que il n'y a pas l'habitude. Et voilà, c'était fini celui-là. Donc c'est pour ça que j'y allais. Puis parce que j'avais eu quelques petits sous-sous. Maintenant il n'y en a plus, hein. Maintenant on va attendre. Hein. On va pas retourner tout de suite. On va attendre qu'il y ait d'autres sous-sous qui reviennent. Ou alors un autre dépannage, qui sait, on sait jamais. Un autre truc sur un ordinateur. Donc voilà, et c'est tout, hein, ça sera tout pour ce soir. Enfin, vous l'aurez demain, je pense, demain vendredi. Vendredi, on sera le 11. 11 mars déjà demain. Moi, je vais essayer de vous la mettre demain matin, 11 mars. Quand vous allez la voir, on sera le 11 mars. Hein. Oui. Donc, je vais vous faire plein de scrap bisous. Je vais vous dire bonsoir. Et je vous dis à très bientôt. Scrap bisous. Bonne nuit. Bonne journée. Bonne tout ce que vous voulez. Scrap bisous.